Alors, on va enchaîner avec une introduction pour vous expliquer un peu ce qu'on fait là et quel va être l'objectif de notre journée. Donc, je vais faire comme ça aussi, juste le temps de parler. Je prends le pointeur. Donc on est là aujourd'hui pour parler de RecoCrèche. Alors, RecoCrèche, c'est un peu comme une bannière sous laquelle se place tout un tas d'acteurs qui ont contribué les 5 dernières années à son développement. Donc, en premier lieu, évidemment, l'Agence régionale de santé, que nous remercions vivement pour son soutien sans faille et sa contribution technique aussi, ça c'est très important pour nous. Merci spécial à Claire Morisson qui nous accompagne avec vraiment beaucoup de détermination sur ce projet. Dans le cadre de la stratégie qu'elle porte, qui s'appelle donc la stratégie santé environnement petite enfance dont on vient de parler. Et donc sous la bannière RecoCrèche, on retrouve effectivement l'association École en Deuil qui est porteur de projet. Donc Alix, c'est l'agence de conseil que j'ai créée. Moi, je suis Anne Lafourcade, je suis ingénieure conseil en santé et environnement, donc à l'initiative de ce projet RecoCrèche et puis à l'initiative d'un programme dont on va parler toute la journée qui s'appelle Safely et qui est devenu récemment une entreprise de l'ESS. Notre partenaire, je cherche Anne qui doit être par là, c'est aussi 3AR pour les achats responsables parce que le volet achat est déterminant dans notre stratégie. L'agence Aude qui a participé aussi à l'élaboration de certaines techniques de certains de nos outils et plus récemment une entreprise de communication, Nanacom, avec Séverine Huguet qui nous accompagne sur les stratégies de communication. Donc on est là, vous l'avez compris, pour la raison qui vient d'être exprimée, c'est de limiter l'exposition à certaines substances présentes dans l'environnement intérieur des femmes enceintes et des jeunes enfants, protéger la période des 1000 jours. Pourquoi on fait ça? Parce que vous le savez, notre environnement nous expose tout au long de la vie à des maladies qu'on va appeler les maladies du monde occidentalisé qui sont liées à notre mode de vie. Alors ça peut être effectivement la façon dont on se nourrit, notre sédentarité, mais ça va être le stress, mais ça va être aussi tout un tas d'expositions à des polluants, notamment des polluants chimiques qu'on peut appeler exogènes, qui sont des substances qu'on a inventées et qui n'étaient pas sur la planète si on ne les avait pas sorties de notre intelligence, certes supérieure, parfois un peu dangereuse. Et du coup, on se rend compte que les maladies, elles évoluent. Elles sont pas liées au fait que les gens vivent plus longuement. On se rend compte qu'effectivement, les maladies, elles évoluent à tous les âges de la vie. Ont déjà été citées la plupart de ces pathologies qui sont en évolution spécifique selon le niveau d'occidentalisation des pays qui sont concernés. Donc parmi ces évolutions et parmi ces polluants, vous le savez, certains ont des effets endocriniens. Ce sont parmi les molécules les plus petites qui vont venir assez facilement rentrer dans nos organismes et qui vont venir perturber nos systèmes hormonaux. Et quand on perturbe les hormones, et on va perturber plein de choses, effectivement, surtout quand on est exposé dans la petite enfance. Et c'est un peu une bombe à retardement, puisque ce sont des effets différés. Les expositions précoces vont pouvoir conditionner l'arrivée ou la non-incidence de maladies à tous les âges de la vie. D'où notre intérêt aujourd'hui de protéger spécifiquement cette période des 1000 jours. Donc, à qui on s'attaque? La réalité de l'ère industrielle, c'est au moins 100 000 molécules inventées récemment, on va dire en moins de 50 ans. En vérité, ces molécules, elles ont une capacité à se combiner entre elles et également à se combiner avec des molécules naturelles. Et au final, ce sont des milliers de combinaisons que nous avons mises en circulation, donc un recul de 50 ans, 60 ans, et puis pour certaines de 1 ou 2 ans, puisque ça continue, on a tout le temps des nouvelles inventions en permanence, donc c'est un nombre assez important de substances. Donc ces substances, elles sont où? Elles sont partout dans nos supermarchés, ça on le sait, parce que on n'a qu'à faire le tour, le produit emblématique étant évidemment la chimie du plastique qui a pris une place absolument démesurée dans nos vies, et puis qui a rendu des services, bien sûr. Donc c'est partout dans nos supermarchés, c'est partout du coup dans les établissements petite enfance, mais c'est aussi partout dans nos corps, puisque c'est des substances qui ont une capacité à rentrer, soit par inhalation, soit par ingestion, soit par voie respiratoire. Et donc quand on fait le tour de ce que vous avez dans vos établissements, effectivement, on va commencer par des pollutions par inhalation, par exemple, de transfert de la pollution extérieure vers l'intérieur, comme les pesticides ou les particules fines.
On va avoir des problématiques possibles sur l'absorption dermique par les produits d'hygiène et de soins qu'on utilise auprès des enfants et pour vos mains de soignants ou de professionnels de la petite enfance. Les produits détergents hein, qui viennent altérer la qualité de l'air intérieur, avec notamment des éthers de glycol. Les produits de loisirs créatifs, les structures de motricité tout plastique, les sols amortissants dehors qui sont aussi issus de cette pétrochimie exogène, hein, des choses qu'on a inventées récemment et qui n'étaient pas sur la planète hein, il y a encore très peu de temps. Les contenants alimentaires, aussi ce qu'il y a à l'intérieur de l'alimentation. Donc on sait que maintenant on sait depuis la triste affaire du BPA, mais qui nous a rendu service aussi parce que ça nous a permis de faire vraiment avancer le sujet. Depuis le BPA, on sait que les plastiques, les microplastiques vont venir, ou des certaines molécules qui sont dans les microplastiques vont venir dans les aliments. Et puis il y a aussi les additifs alimentaires qui sont purement de la pétrochimie. Et puis tout ce qui va concerner le fait de bâtir ou rénover, donc les matériaux de construction, de décoration, les produits de bricolage, de décoration qui peuvent contenir des phtalates, des hydrocarbures et donc tout un tas de substances chimiques très spécifiques et aussi des choses qu'on a inventées assez récemment. Donc tout ce monde, oui, on le sait, il est présent dans vos établissements. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Nous, notre boulot à l'équipe, c'est de digérer la littérature scientifique, de regarder tout ce qui se fait dans les CHU pour avancer au gré des avancées des experts et des spécialistes en médecine, de lire tous les rapports des agences nationales, Santé publique France, l'ANSES, hein, on est les gens qui les lisons jusqu'au bout pour essayer d'en tirer le maximum d'informations et de les utiliser ensuite sur le terrain. Et puis aussi une maîtrise des réglementations européennes et françaises, comme la réglementation REACH sur les produits chimiques. En fait, on prend toutes ces données-là et notre travail, c'est d'élaborer des outils pratico-pratiques pour que les transformer en recommandations que vous allez pouvoir déployer concrètement sur vos territoires. Ça, c'est vraiment l'essence du programme RocoCrèche. Donc, quels sont les outils que nous avons développés? Donc, vous en avez déjà entendu parler ce matin. Donc, le guide RocoCrèche 1, pour la plupart, vous le connaissez maintenant bien. Il se focalisait vraiment sur le quotidien de la crèche. On en a encore quelques-uns ici. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas, vous pourrez en retirer juste après. Le guide 2 qui s'intéressait plus effectivement aux éléments à prendre en compte lorsqu'on bâtit ou on rénove un établissement petite enfance. On a ensuite aussi développé des outils spécifiques pour répondre aux besoins de chaque public, donc que ce soit des affichettes pour le grand public, que vous connaissez bien maintenant, notamment celles-ci, là, les bons gestes. On a travaillé spécifiquement avec 3AR pour écrire des outils pour les acheteurs, ça c'est très important. On a aussi créé des conférences par public, notamment des conférences qui s'adaptent au CLS, de manière à vraiment porter aussi la bonne parole à l'échelle des CLS. On a réalisé des campagnes d'affichage, notamment pour les établissements, enfin le personnel dans vos établissements. Et puis bon, c'est adapté aussi au contexte, puisqu'on a réagi l'année dernière en développant des fiches spécifiques, notamment sur la Covid. Alors les productions écrites, c'est pas mal, mais on s'est rendu compte que pour vous aider à mettre le pied à l'étrier, il fallait aller un peu plus loin et venir sur le terrain vous accompagner. Et c'est comme ça qu'est né le programme CEFLI, qui se cale sur le contenu du guide RocoCrèche 1 et qui va venir accompagner pendant un an les équipes d'une collectivité, les crèches d'une collectivité, de manière à conduire le changement et le mettre en œuvre. Alors, quelques dates sur où on en est sur ce programme. Donc, premier audit test réalisé à Bordeaux Métropole en mars 2016, dans le but d'élaborer le guide 1. En janvier 2017, le guide était édité. Décembre 2018, on a commencé à mettre le programme CEFLI adapté pour l'ARS en place avec la mise en place de ces rôles de référent dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Février 2020, édition du nouveau guide. Effectivement, février 2020, c'était pas génial comme date, puisque au bout d'un mois, sa campagne de promotion a été un petit peu freinée.
Et aujourd'hui, en novembre 2021, on a, ça y est, 10 collectivités référentes pour 10 départements sur 12, c'est pas mal, sur les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine, qui sont désormais en accompagnement CEFLI et prêts à aider les collectivités de leur département. Donc finalement, la journée, on a choisi de la dédier au retour d'expérience de ces 10 collectivités référentes, donc sous la forme de 5 tables rondes thématiques, avec vraiment un focus on va leur donner la parole parce qu'ils ont travaillé avec nous pendant un an, donc c'est les meilleurs pour expliquer comment ça se passe le changement. Des apports d'expertise, effectivement, on a plusieurs experts qui ont accepté d'être là pour nous parler aussi. Et ça va être le cas juste après ma présentation avec le docteur Fabien Skinazi. Et puis, on va aussi vous demander de prendre des contacts. C'est pour ça qu'on vous a fait on vous a collé des gommettes aux couleurs de vos départements. L'idée, c'est que vous créez du lien pendant les pauses, de manière à ce que vous identifiez des gens qui sont dans votre département et que vous puissiez commencer à collaborer. Bon, je ne vous cache pas qu'on a un peu une surreprésentation girondine, c'est toujours le cas quand on fait les événements à Bordeaux. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder les petites couleurs de gommettes de vos collègues. Donc, juste un petit mot sur le programme CEFLI adapté au département de Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la stratégie santé-environnement petite enfance. C'est quoi un programme CEFLI? C'est un déploiement pendant un an de 5 étapes d'accompagnement sur un groupe intercrèche. Donc, toutes les crèches de la collectivité référente sont accompagnées. On a sélectionné un référent par département. Comment on l'a sélectionné? On a fait des conférences et on a fait des appels à candidature. Les collectivités ont rempli des candidatures en ligne, et puis sur la base de critères objectifs, on a sélectionné une des candidatures, et chacun d'entre vous, on va vous les présenter juste après, chaque collectivité choisie est devenue le référent de son département. Le financement est fait de la présence de 5 jours d'un ingénieur conseil sur place dans vos collectivités, plus un accompagnement de 2 jours de 3AR sur les achats. Il y a une contrepartie à ce financement, c'est que vous vous engagez, collectivité référente, à devenir la référente du département et à aider toutes les crèches du département qui auraient besoin de petits conseils pratico-pratiques pour mettre en œuvre le changement dans vos collectivités. Alors juste CEFLI, c'est une méthode de conduite du changement spécifique en 5 étapes. C'est un acronyme qui veut dire sensibiliser, auditer, fédérer, essayer et lier. Donc ça, ce sont les 5 journées de présence de nos ingénieurs sur place. On prend un an pour le faire. C'est important de prendre un an, je vais vous le dire juste après pourquoi. Donc la première chose, c'est qu'on sensibilise. On vient dans la collectivité, on sensibilise les élus et tous les autres services. La problématique n'est pas une problématique juste des experts de la petite enfance. Vous avez besoin de vous appuyer sur vos services d'appui, sur les techniciens, sur les gestionnaires. On va voir que sans eux, vous allez vite vous épuiser. Donc vous avez besoin de l'appui de vos collègues, de la collectivité pour mettre en œuvre cela. Donc c'est important qu'ils sachent pourquoi on leur demande de bosser sur ce sujet et que leur santé, celle de leurs enfants, est aussi concernée. Le moment clé, c'est l'audit quand même. On fait un audit d'une crèche pilote et on va venir regarder vos pratiques et vos produits de manière très précise. Vient ensuite la phase fédérée où ensemble on bâtit un plan de changement. On se dit, voilà, il y a des choses qui vont pas, comment on va aller d'un point A à un point B pour améliorer les choses. Vient ensuite la phase où on est sur le terrain, les mains dans le cambouis, on vous aide à mettre en place de nouvelles procédures, de nouveaux produits. Et la dernière phase, c'est une phase un peu de consécration où on vient affirmer son changement informer l'équipe et les parties prenantes à ce que vous avez mis en place et à contribuer à l'SMH, on le verra cet après-midi. Ce qui est très important, c'est qu'on vous incite à travailler en mode projet, et puis on prend le temps. C'est pas grave si le changement est un peu long. Ce qui est important, c'est que ça soit tellement bien en place quand on part, qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible, que ce soit installé. Et pour ça, il faut prendre le temps, et effectivement respecter le temps du changement pour chacun d'entre vous, et selon la spécificité de chacune de vos collectivités. Alors juste un petit mot sur le choix de l'adverbe de CEFLI. Donc effectivement c'est un acronyme, mais en anglais c'est aussi l'adverbe de l'adjectif safe. Et en anglais ce qui est intéressant dans safe, c'est que ça veut dire avec prudence et certitude. Et nous c'est comme ça qu'on veut que vous avanciez. C'est-à-dire qu'on y va
tranquille, on vous accompagne pas à pas, mais on veut que vous ayez des certitudes sur la façon dont vous, de, sur le, les changements que vous menez et que vous soyez vraiment à l'aise et déterminé dans la manière de le mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a choisi aussi ce nom-là. Donc le point clé, je vous disais, c'est l'audit. Aujourd'hui, on a un audit en 5 grands thèmes. 70 critères sont audités sur le terrain. On a 26 critères sur le nettoyage. Évidemment, on a fait quelques ajustements Covid-19, mais pas tant que ça. Finalement, on était déjà assez cohérents précédemment. Sur l'hygiène, 14 critères. On a rajouté des critères sur les couches cette année. La qualité de l'air intérieur, 11 critères. Les loisirs créatifs, 10 critères. Et la vaisselle, 9 critères. Et puis finalement, après, on se balade selon les produits que vous achetez. On se balade par lieu et puis on se balade aussi dans la crèche par pratique, de manière à rien oublier. Petit focus spécifique sur votre exposition professionnelle que nous traitons parce que votre santé, elle est aussi au centre. Alors, si on est très pragmatique, on regarde la salle. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes. Donc, vous êtes aussi potentiellement des jeunes femmes enceintes. Donc, c'est votre santé aussi que nous souhaitons protéger dans ce programme. Donc, ce qui se passe au moment de la phase fédérée, ben, c'est qu'on évalue à l'audit des points rouges, orange, vert, des choses qui sont déjà bien en place et des choses qui sont beaucoup exposantes, un peu moins exposantes pour les enfants. Et on va les traduire en un plan de transition avec des actions personnalisées, avec un objectif, c'est de changer vos pratiques. Alors, on le fait à l'échelle de la crèche pilote, mais dans la collectivité, toutes les directrices de structure nous accompagnent et sont formées pour s'auto-diagnostiquer. Donc, ça veut dire qu'en fait, le changement se fait à l'échelle d'une collectivité et pas d'un seul établissement. Donc, un plan de changement, généralement, c'est 15 à 30 grandes actions sur 6 domaines. Et puis, on met des indicateurs de mesure, on dit qui fait quoi, quand, comment. C'est vraiment un pilotage. Les domaines que nous traitons, ils sont 6 généralement, donc ils ont des noms spécifiques. Donc on a un gros domaine qu'ils appellent faire le tri, parce qu'il y a beaucoup de choses à jeter, à ranger, à éviter. On a un domaine qui s'appelle nettoyer sans polluer, qui est le gros domaine aussi, parce que sur la détergence, il y a beaucoup de choses à faire. La qualité de l'air intérieur, un domaine qui s'appelle prendre soin plus simplement sur notamment l'hygiène auprès des enfants, vos protocoles de change. Jouer autrement, ça c'est un domaine qui me tient à cœur, on en parlera beaucoup cet après-midi sur comment éviter un peu les produits de loisirs créatifs, notamment un peu limite en termes de composition. Et enfin, le dernier thème, c'est mieux dans son assiette, c'est ce qui va concerner les contenants alimentaires. Voilà, le plan d'action, voilà, je vais vous faire l'économie de sa lecture, ça c'est un peu le format qu'il a, donc je vous lis 2-3 éléments là dans ce cas-là. On avait par exemple travaillé au fait de renoncer à la métallisation des sols, enfin ça c'est les produits qu'on met une fois par an pour lubrifier les PVC là, et renoncer par exemple aux produits surodorants, ça c'est des actions qu'on met en place, éliminer les produits reconditionnés maison, les produits mal étiquetés, vous voyez, donc c'est des choses très concrètes, et puis voilà, on y va, un truc après l'autre, et on a des indicateurs de changement pour voir si effectivement la proportion de produits qu'on a réussi à éliminer au fur et à mesure de l'année d'accompagnement. Donc rapidement, la phase d'après, c'est la phase essayée, je vous le disais, c'est une aide personnalisée, et puis des ateliers, notamment avec 3AR pour aider les acheteurs. C'est souvent le truc le plus difficile, hein, de changer vos achats, de rajouter des critères, c'est un peu technique et vous avez besoin d'aide. Et la journée de clôture, hein, la collectivité référente présente le jour de la journée de clôture un plan de communication d'information pour faire connaître ses avancées vers son département, sa PMI, ses parties prenantes locales, de façon à contribuer à l'essaimage. Et il y aura une table ronde spécifique liée sur la thématique de l'essaimage cet après-midi. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un an ? Ben, on a moins de trucs. Déjà, voilà, moins c'est mieux. Donc on se débarrasse d'un nombre important de produits. On met en place des alternatives éprouvées, donc des produits certifiés. On a des collectivités qui sont à 100% de produits certifiés, utilisent les microfibres, hein, comme ça a été dit tout à l'heure. Une baisse de jusqu'à 80% de produits industriels utilisés pour jouer, pour faire le loisir créatif. L'élimination de toute la vaisselle plastique. Des pratiques modifiées, un bon usage des biocides, la mise en place du rinçage, très importante pour nous, pour les produits détergents, bien sûr l'aération, le ménage en l'absence de la présence des enfants, le fait de retourner beaucoup plus dehors avec les enfants, on va aussi dédier un élément là-dessus ce soir, cet après-midi.
Les bénéfices, ils sont lesquels? Ils sont évidemment sanitaires, mais pas que. Ils sont en effet pour les enfants et pour votre santé à vous. Moins de produits, c'est de la simplification dans vos protocoles, des choses, enfin, vous facilitez un peu la vie. Surtout avec la Covid, là, hein, au niveau protocole, ça a été un peu compliqué pour vous. Donc l'idée, c'est de vous ramener à des protocoles gérables. Quand même des économies, ça c'est quand même intéressant. C'est vrai que on a réussi par, dans certaines collectivités, à baisser le budget détergence de 50%, pas mal. Et puis enfin des bénéfices environnementaux, parce que évidemment nous notre entrée c'est le sanitaire, mais il y a les produits qu'on met en place ont aussi souvent des bénéfices environnementaux, produits labellisés, des achats plus responsables, tout ça c'est quand même très positif aussi pour l'environnement. Quelques chiffres clés sur justement l'accompagnement Safely. 33 crèches ont été auditées en Nouvelle-Aquitaine depuis 2016, plus 55 autodiagnostics des crèches satellites. On a 4000 photos de vos établissements en stock. Ça fait pas mal de photos. Donc 70 critères d'audit, et je vous annonce que. Enfin, on en parlera ce soir, mais on va bientôt rajouter 40 critères de plus. Je vous expliquerai comment tout à l'heure. On a réalisé 51 conférences. Et présentation dans toute la région et dans toute la France, et parfois à distance les 2 dernières années sur Zoom, hein, beaucoup. C'est vrai qu'on a quand même, on est regardé, hein, on est regardé par le reste de la France, et on est quand même, voilà, on est une source d'inspiration, on est fiers de ça, d'aller porter le message au niveau national. Voilà, 4 nouveaux thèmes ont été développés en 2020 et 2021. Donc, certains d'entre vous ont peut-être vu les fiches sur le moustique tigre, les nuisibles, les couches donc, et les fiches spécifiques Covid, sur lesquelles on va revenir juste après. Un troisième grid en 2022 sera en préparation, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, en plus des Safely classiques, on a réalisé aussi des programmes spécifiques régionaux, donc sur différentes régions. Donc, on a fait un accompagnement spécifique en Dordogne à Drônes-Ébelle sur les centres de loisirs et les crèches en parallèle. Au château d'Oléron, on accompagne une crèche neuve dans son élaboration pour aller voir comment on peut appliquer les critères de RecoCrèche du début sur un projet vraiment qui démarre sur un terrain vierge. Un programme très important qui nous tient à cœur, c'est l'accompagnement des crèches associatives aussi, pour que vous soyez embarqués avec l'intérêt qu'on a eu de la part des ACEP, qui ont choisi de déposer aussi des dossiers à l'ARS et qu'on a accompagnés. Donc l'ACEP 17, c'est encore en cours, c'est fini en 33 et 64, et vous aurez une intervention cet après-midi là-dessus. Et puis deux programmes spécifiques dans le Béarn, qui sont des programmes à l'échelle d'un CLS. Donc une adaptation, pas d'une collectivité, mais de l'ensemble du CLS. Donc les 10 collectivités référentes, les voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander, de façon à ce que vous soyez identifiés, à peut-être venir me rejoindre là, donc les personnes qui sont référentes. Je vais vous demander de vous déplacer. Pendant ce temps, on va lancer un petit film. Et à la fin du film, je vais vous identifier de manière à ce qu'à la pause, si les gens veulent venir papoter avec vous, ils puissent savoir qui est qui. Donc voilà, les équipes qui sont là. Alors, on en a perdu quelques-unes pour cause de cas contact. Mais celles qui sont là, je vous invite à peut-être descendre. Donc, pour que vous les identifiez, l'équipe de Tulle, s'il vous plaît, vous pouvez vous avancer. Donc, Odile et Christiane. Non, Christiane, elle est restée là-bas. Bon, bah, Christiane, tu fais un coucou. Donc, Odile Bourgeois pour l'équipe de Tulle. Valérie Goncalves, un petit signe peut-être, pour l'équipe de la communauté de communes du Pays Basque. Dax et Out pour cause de cas contact. Donc, on leur fait un bisou. Ils sont pas là. Val-de-Garonne avec Emmanuelle Dantras qui est présente. L'équipe de la Couronne, qui c'est qu'on a? Jackie, Grégory et Julia. Bonjour. Ingrid Naudin pour Saintes, qui doit être aussi accompagnée de certains membres de l'équipe, qui je ne sais pas où elles sont. Et voilà, coucou Corinne, derrière au fond. Madame Liard pour le CCAS de Châtellerault, qui est en orange, pour la voir facilement. Pour la communauté de communes de Bergerac, on a Nassima qui est présente, voilà. Et enfin, pour la last but not the least, les pionniers, l'équipe de Gradignan avec Elodie et Florence qui sont présentes là. Donc voilà, vous les avez vus. Maintenant, essayez de les happer aux différentes pauses de la journée si vous voulez poser des questions subsidiaires. Et on va enchaîner tout de suite avec la présentation suivante.